Alors, ce qu'on va faire, ça va être très très simple. On va... On va avancer le maximum. On va arriver à la prochaine ville. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un excellent live si on fait les deux derniers badges. Si on en fait seulement un seul, c'est déjà énorme. Mais voilà. Mais c'est vrai que si on fait les deux derniers badges, ce serait vraiment, vraiment, vraiment huge. Simi pour... Là, le mec, il a Mascargo level 45 et Swampert. Swampert, on est d'accord, c'est Lagron, non? Ouais, c'est Lagron. Lagron, il va se prendre Water Sprout comme tout le monde, je crois. Ouais, c'est ça. Je pense que là, double Water Sprout, ça passe. Là, tu es dans une bonne run. Je pense que je suis dans la God run, même. Je pense que si je perds sur cette run-là... C'est chaud. J'ai pas de mytho. Si je perds sur cette run là, je sais pas si j'aurai la force parce qu'en fait, il y a tellement tout pour pas que je perde que c'est la version Eveless. Oui, y a aucun monde où tu perds. Non, c'est vraiment pas bien de dire ça, mais déjà. Je pense que je vais mettre en automne, histoire qu'il pleuve ici, là. Bah, j'ai des bons Pokémon, mais c'est pas parce que j'ai des bons Pokémon que c'est forcément bien, en fait. C'était quoi? C'était juillet, je crois, pour qu'il pleuve. Il y aura la rediff sur YouTube. Je ne sais pas. Quelqu'un peut m'expliquer les règles pour l'exclamation hardcore? Ok. Donc là, le mec, il a un Mascargo et un Swampert. Water Sprout x2, c'est mort, hein. On est d'accord. Même si c'est neutre et tout. Non. Ou alors je lui mets Grass Note. Mais je pense pas. Avec la pluie, plus les Choice Pack, plus j'ai 20 levels d'avance. Je veux juste voir un truc. Est-ce que. Non, j'ai bien les Choice Pack. Je réfléchis. Hein. Comment est-ce que je pourrais voir ce que fait mon item? Je suis obligé d'aller dans... Non mais honnêtement, l'item management dans ce jeu est infâme. Les inventaires sont horribles. Mais quel retour en arrière par rapport à Earth Gold, c'est assez ouf. Ok, tout est bon. Mais waouh. Bon, lui il est obligatoire mais il est gaze. Double Water Sprout, on n'en parle plus. Hop, et il envoie Swampert, sauf que Swampert, c'est du one shot. Ok, nice. On est d'accord, c'est pas ici que je capture, Mika. Ou pas? Hardcore, les gars, si vous savez pas comment écrire hardcore, c'est vraiment sur l'écran. Là, pour que je capture cet endroit-là, c'est y a un étage particulier ou... Ou je capture tout de suite, là. Pourquoi j'ai que trainer roster? Putain, tout a été fermé, j'ai la flemme. Alors, j'ai level cap, trainer roster, bon, j'ai juste wild Pokémon à réouvrir. Tout de suite. Ok. Bref, tout brûlé. Non, merci. Attends. Elle s'appelle comment? Il s'appelle comment cet endroit? C'est pas Mistralon Cave? C'est Twist? Ouais, ok. Ouais, 20% de chance d'avoir Fampi, quoi. 20% t'es dur ça. Ok. Tu dépenses combien pour tes cheveux? Zéro.
Zéro, je mets littéralement rien dans mes cheveux. Littéralement rien, mec. Ça fait un an, j'ai rien fait. Donc rien. 0€. Zéro. J'ai prévu d'aller à Japan Expo. Non, je ne ferai rien. Je n'aime pas rencontrer les gens. Je suis un gamer, mec. Ok. Bah go, hein. J'espère juste qu'il n'y a pas une... un truc de poussière. Attends, au pire. Attends. On va faire comme ça. Voilà. Ok. Un petit Fampi. Bah c'est vrai que j'ai plus de Pokémon type sol, ce serait cool. Gravelin, je serais pas mal aussi. Ah mais là, on a déjà eu Rakaillou dans cette run. Je crois pas qu'on ait eu Rakaillou. Ok. Let's go. Putain mais et, tout va bien dans cette run hein, vraiment. Dès que je veux quelque chose, je l'ai. Ça. Je suis à deux doigts de dire que c'est la run, tu vois. Ouais. Tu as deux doigts de dire que c'est la run. À deux doigts, hein. Ok. Et là, il y a qu'une. On est d'accord, il y a qu'une. T'as trouvé le doc avec les trainers sur internet. Le doc, les trainers. Ouais, c'est un Google Doc. Ouais. Vous levez combien? On s'en fout, on a des super bonbons, bref. Hop. Oh, mais limite, on peut mettre Victini pour taper plus fort. Ouais. Ok. Le premier chose, ce sera un Black Belt. Bon. Ils ont pas beaucoup de Pokémon, donc c'est cool pour l'instant. Ils ont soit un ou deux. Check le Fampi. On est pas. On peut pas faire toutes les captures à un moment. Il a pick up. Ah, il est moins attaque, plus PA attaque. C'est la pire nature possible. Putain. Bon, vraiment, j'ai des beaux Pokémon, mais à chaque fois, ils ont pas la bonne nature. Genre la pire. T'as même pas besoin d'affronter les dresseurs. Ah, là, on skip, c'est bon. On se met en hiver. Ah, comme dans le speedrun. Après, c'est un Pokémon défensif, non? Tout ce que j'ai compris. Ça arrive pas à ouvrir un modifié d'ATR. C'est quoi ce truc de con? Tu comptes refaire une run machine only? Nope. Voilà. Non. La réponse est non. Enfin, sur les prochains jeux Pokémon, donc dans 2-3 ans. Lâchez le concept. Regardez les vidéos si vous voulez. Il y a vraiment une petite dizaine, quinzaine de vidéos. C'est fini là. C'est fini, il fallait être là. Ok. C'est que en hiver ou c'est que un certain jour en hiver? M'en rappelle plus. Pourquoi est-ce que là il n'y a pas plus de neige? Pourtant c'est hiver, non? Faut que je mette quel jour? Twist Mountain. Twist Mountain skip date. C'est quoi la date pour skip le Twist Mountain? Ah, c'est peut-être ça en fait. Alors il y a substitute skip dans cette making it useful in several instances through twist wherever you need. This it prevents an attack. So you want to make sure you got plenty of time. Since it's not even the winter month anymore while I'm here is not a wild Pokemon, but TM90. You got plenty of time. Il est trop nul, putain, c'est genre de tuto frère, le mec qui filme sa DS avec un téléphone de con. C'est insoutenable. What the fuck? Non mais je crois que c'est genre juste là et juste aller en haut, non? Oui, c'est ça, non? Ok, je crois que c'est ça. Ok, nice. Je n'ai aucune idée d'où c'est. Peut-être là? Je crois pas que ce soit là. Si? Putain.
Putain, mec, cet inventaire me donne la gerbe. Mais vraiment, je pense que le terme gerbe est tellement mérité. Là ? Ah, c'est là ! Y'a pas de combat contre Cheren ! Mais non, on vient de l'affronter avant. Jure, on a tout skip ! C'est incroyable. Ah, merde ! Combat de la team Plasma ? Mais non, il a battu, je crois, non ? Oui, ok, il a battu. Ok, ça c'est fait, c'est cool. Donc là, on fait la tour maintenant ? Je me rappelle plus. Ou on fait le badge ? Est-ce qu'on fait le badge ? Faut remettre l'automne pour faire la zone de la ville. Bah, non. Pourquoi ? Pourquoi on veut l'automne ? On veut pas aller là-haut ? Ou il y a des Pokémon particuliers à l'automne ? Non, pas. Non, fais pas cette zone. Ah. Bah, c'est où alors ? Les puddles ? Je sais pas ce que c'est. Attends, là, il faut que je remette quoi ? Automne ? C'est les marécages, ok. Je ressors, j'arrive, et là... Et... Oh merde, j'ai pas fait exprès. Oh, j'ai raté une zone de ouf. Mais ça a bugué ! Ma manette, elle a eu un déco ! Moi je dis, la manette a eu un déco, on peut annuler. Ma manette a vraiment eu un déco. Ma manette a eu un déco. Bah, tant pis, hein. Ma manette a vraiment eu un déco. Écoute, elle continue d'avancer. Merci Lucas. Bon, bah écoute, je me suis fait niquer par rapport à de la merde. Ça fait chier, hein, vraiment. À droite. Prochaine zone, pareil, attends. Mais dans la ville ou je vais en haut en fait? Sinon je peux aller route 8. C'est route 8? Là? Où est le Pokémon? Icarus City slash route 8. Ah mais c'est pareil en fait. Ok, en fait là c'est pareil. Ok, d'accord. Ok. 10% de chance grâce au pot, putain. C'est pas énorme. Mais bon. Ok. Je l'ai déjà. Ils veulent vraiment que j'ai un Grimmer, hein. Oh, après lui c'était le Pokémon le plus probable de tomber, hein. Oh mon dieu, il est horrible lui. Ouais, Tritosaur, je l'aurais pas eu. En vrai je l'aurais pas eu, je n'ai aucun regret. Là même en tryhard entre guillemets je l'ai pas, hein. Ok. Donc là dans Icarus City j'ai tas de morts, gros tas de morts. T'as encore une zone, encore au dessus. Attends, j'ai pas envie de me taper des dresseurs non plus. Ah merde, putain, c'est une dresseuse obligatoire elle. Oh la flemme. Putain. La flemme parce que là, pour la trouver, mec. Pour la trouver, c'est une dinguerie. Mais je crois que c'est Pokémon Ranger Annie. Elle a un Tropius que je one shot. La majorité j'ai one-shot. Ah non mais un Tropius. Comment j'ai pu penser, comment j'ai pu trop confondre Tropius avec Je suis un peu con. J'ai confondu Tropius, j'étais con. J'étais con. Leaf Tornado.
Ok. Archéops. Putain, mais est vraiment. Je confonds de ouf les pokés, je sais pas pourquoi. J'ai un gros problème mental là. Vraiment. No cap. Rock slide. Ah, crit. Bon bah écoute. Bon, comme ça, ça a le mérite d'être clair. Je n'y peux rien. Je crois que la moitié de. Tous mes morts, c'est des crits. Ouais, je pouvais pas mettre Slowbro et je voulais tenter le Ice Punch parce qu'en fait l'autre il a mis le Permanent Sun. En gros. Deuxième crit, putain ça fait beaucoup là. Toutes mes morts, enfin 90% de mes morts c'est du crit. Ça en dit long quand même sur ma chance. Ça en dit long hein. Oh putain. Cinq fois. Ok, je crois qu'il a le truc pour toucher H24 plusieurs fois, c'est ça. Je sais pas si je dois outspin. On va être Victini. Ouais, c'est ça, ok. À chaque fois, il touche 5 fois. Ok. Ok, nice. Bon, bah, j'ai perdu un Pokémon gratuitement, mais écoutez, crit, hein. De toute façon, j'aurais mis n'importe qui, il serait mort. Donc, autant perdre Mustéflotte. Très chiant, mais. Surtout quand t'as des randoms comme ça, quoi. Mais Mustéflotte, il y avait Swift Theme. Putain. Ça dégoûte. Bon, crit. On va commencer à. Je vais pas casser ma manette, hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Une chance sur 7 de perdre un Pokémon comme ça. Ok. Wild Pokémon. Alors. Là, ça s'appelle Moore Recyclers. Bah là, je peux encore avoir Quatox, hein. Dans un puddle, en vrai. 10% de chance. Le normal paddle. Tu as tellement avec Poison Touch. Ouais. J'ai pas vu. Ouais, ouais. T'as plus de chances de trouver un Pokémon poison. Ouais, mais y'a que des Pokémon poison donc. Je veux juste avoir un Stunfish là, je crois. Ou un Weezing, ou un Muk. Et y'en a plein des poisons là dans le truc. Non, ça marche pas. My bad. Ok. De toute façon, bon, ça aurait juste attiré un Smogogo ou une autre connerie comme ça. Toxicroak. Allez. Go Toxicroak. Faut juste prier pour le Kotax. Ouais, 10% de chance. Après en soi c'est pas vraiment 10% parce que j'ai déjà pas mal de poké. Ah non. Bah Muk en soi je peux pas l'avoir. Papiltoad c'est quoi? C'est l'évolution? Je peux pas l'avoir je crois. Aval tout. T'imagines j'ai un aval tout putain. Le seum. C'est là hein. C'est pas là? Je comprends pas. Y'a un repousse? Je crois qu'il y a un repousse. C'est ça, hein? Ouais, y'a un repousse. 100%. Attends, quoi? C'est un. Ouais, ok. Puis tiens, beau pouquet. Allez, allez. Tiquatox! Oui! Let's go! C'est trop bien ça. Là, on est bien. Ok, bon. On commence à avoir une boîte bien remplie. Là c'est la dernière zone qu'on avait à faire. Il est moins attaque. C'est dingue que même quand j'ai les Pokémon et tout, il y a un truc qui va pas quoi. Et j'ai Poison Touch. Je crois qu'il est juste genre juste. Il puce juste sa grosse mère genre. Il est horrible.
Il est affreux. Après, ça reste un Coatox, mais il est affreux, hein, je vous le dis. Il n'a pas le meilleur talent. Il n'a pas le meilleur talent, ni la meilleure nature. Puis sa mère, quoi. Check ses stats. C'est, tu parles d'IV ? C'est pas dingue, hein. Je te jure que pour un level 48, c'est pas dingue. Surtout son talent, je... Tu peux jouer mixte. C'est vrai que je peux jouer mixte. Export. Il a 31 d'IV en speed. 21 en attaque. 12 en SP attaque. En vrai, il a de bons IV. Il a 23 en SP def. Bon, et HP et truc mid. En vrai, ça va. 31 en speed, c'est dingue quand même. 31, genre. Le mec, il peut pas être plus rapide que ça. Il y a de bons IV, c'est tellement dommage la nature et le talent, quoi. Water Absorb, j'aurais tellement pu manipuler les gens. T'as pas changé le nombre de morts. Ah, ça s'est pas activé ? Genre, je clique, ça se met pas plus ? Bah, c'est le... J'ai cliqué, hein, c'est vraiment le... Mais je comprends pourquoi stream tech bug, ça me rend tellement malheureux si vous savez. Je dois le débrancher et rebrancher 800 fois par jour. I don't know. Il se rallume même pas. C'est bon. Ok. Mec, j'ai tellement de morts fait par des crits. C'est insoutenable. Insoutenable. Là, on fait la tour Dragospire et après on... Et après on... On fait la zone de tour de... Non, c'est après la tour. Ah, c'est maintenant la reine. Est-ce que la reine, il y a des dresseurs obligatoires, je pense, hein. Faut que tu pêches. Où ça? À la tour. Ah, l'entrée de la tour et la tour n'est pas la zone. Hein? Quoi? Sur Dracolos. À la tour? Non, la tour n'est pas une zone. Attends, quoi? Ah là? Attends, genre là? Là? Ah oui, or si j'ai déjà... Pourquoi j'ai 100% C'est qui bascule, hein? Ah, ok, d'accord. Avec le fiche spécial, j'ai 100% draconite. C'est ça que t'es en train de dire. Je peux pas faire des recherches sur Internet parce qu'en fait, j'ai changé la date de mon PC. Je rigole pas. Ce golemon d'Internet, genre, je... C'est bon, je peux remettre en hiver, là? What the fuck? Je peux pas rechercher parce que l'horloge n'est pas bonne. C'est... J'ai jamais vu ça de ma vie. Collection n'est pas privée, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Erreur de vie privée, mais quoi? Je ne peux pas rechercher sur Internet. Parce que j'ai changé la date de mon PC. Le truc, c'est que c'est... Ah, ok, d'accord, c'est lui. Ok, j'ai 1% de chance, en fait, de croiser Dratini avec les trucs spéciaux. Ça va être extrêmement long. Ah mais non, je peux avoir Dragonair sinon. Au pire, on peut tenter Dragonair. En vrai, un Dragonair, tu peux surf après la reine. Oh bah alors, go faire ça. Plus rapide. Plus rapide alors. Ok. Et la reine, tu m'as dit il y avait 6 dresseurs obligatoires. 6. C'est une blague ou pas là? Comment c'est possible 6 dresseurs obligatoires? Mais non, c'est impossible qu'il y ait 6 ou 7 dresseurs obligatoires. Après, en vrai, ils sont tous glaces. Non, c'est des golemons. C'est le mec qui vend la peau de l'ours. En vrai, je sais pas si Pyrax est un Pokémon rapide. Sinon, au pire, on peut le choice et genre juste rouler avec. Hein. Oui, mais Pyrax choice, tu watches tout le monde. Ah voilà. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais.
peux... Ah. Prends clic-clic au cas où. Vas-y. Pyrex, centre de base speed. Ouais, mais ils ont tous IV31, donc... Après, c'est vrai que c'est cool à savoir. Mais bon, je pars quand même du principe que bon... Même si un Pokémon, en théorie, est plus lent que moi... Pff, il sera plus rapide en passe mytho. Parce que bah... C'est la vie qu'ils ont décidé de mener. S'il passe au-dessus de level 63, il va mystérieusement redescendre. Ça, je vous le dis. Oh, il a esquivé. C'est marrant, ça. Heatwave ne touche pas à 100%, c'est très chiant. C'est très très chiant. Y'a pas moyen de lui apprendre une vraie attaque ? Putain, ah ouais, il y en a du dresseur. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais attends, mais je one-shot rien du tout là. Lui, je le one-shot pas, non ? Si ? Non, je one-shot pas. Ok. Slowbro, mais attends, mais j'en one-shot aucun là. Mais c'est même pas Team Glass ! C'est même pas Team Glass là, je. Je me fais scam là. What the fuck ? Cloyster, on le one-shot pas ? Monte ton équipe. Monte. Quoi, je pourrais monter mon équipe. Attends, mais là je fais quoi là? Je peux mettre Slowbro en vrai, non? Putain, j'adore Romacho, j'aurais tellement dû. Si tu one shot. Ah ouais. Bon. Jinx. Ah, Jinx, il va avoir une attaque genre. Ah non, bon, ça va. Perish Song, ah ouais. À ton âge, Perish Song. Bon. Ok, en fait, ils sont beaucoup plus durs, quoi. Je one shot, je ne one shot pas cette arène, en fait. Salut, boss, tranquille? Ça va, tranquille. On se dirige vers la 16ème arène. Ils ont beaucoup de types O, j'ai l'impression. Enfin, c'est bizarre. Quand même, pour une arène glace. Elle est très 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 proche de l'eau, j'ai l'impression. Et j'ai pas du tout de type électrique. Bah j'ai Emolga au pire hein, aussi. Je vais mettre Emolga au cas où ici. Victini qui prouve encore une fois qu'il pue sa mère. Victini est horrible hein, je... S'il y a un hater de Victini, c'est moi hein, je vous le dis hein. Pas stylé, faible de ouf. Refais le set de tes Pokémon. Discharge. Tu veux que je mette quoi? Thunderbolt à la place de discharge? Pour les combats duo, c'est vraiment juste meilleur, non? Après les attaques avec Tic-Tic, mec, j'ai pas plus de CT que quand j'étais en train de faire les... Je n'ai gagné aucune CT depuis la dernière fois. Hein. J'ai Thunderbolt, en plus. Je n'ai que Thunderbolt. Bon, lui, je vais prendre Thunderbolt, ok. Mais 10 charges, je trouve ça trop fort, man. White charge. Mais où ça, j'ai white charge? Ah ouais. Ok, white charge. Et... Volt switch. C'est quoi, Mirror Shard, déjà? C'est à chier. J'ai pas de vraie attaque à ciel. J'ai aucune vraie attaque acier. Faut que tu lui mettes Gear Grind. Ok. C'est quoi le jeu? C'était écrit sur l'écran, bref. Hop.
Ok. On y est presque. Merde, putain. Ok, nice. Gear grind. Ah, j'avais pas pris parce qu'il y avait 85% de précision, quoi. C'est pour ça que j'avais pas, ouais. Bon, après, là, tout a 85% de précision. 85% de précision x 2, c'est quand même très très bas. Hein. En fait, pour si peu de puissance. Nice. Non. Hop. Et là, du coup, on remet qui déjà? C'était parti. Lui là? Victini? Pff. Je pense que je préfère perdre Victini que Sean Dolol. L'attaque tape deux fois. Bah ouais, mais deux fois x 85, du coup, c'est pas précis. Si à chaque fois ça. Du coup. C'est 100 de puissance. Ouais, c'est 100 de puissance, mais du coup, ça a 100 de puissance avec genre 70% de précision. C'est pas insane. Non, c'est juste une fois. Ah, 85, c'est pour juste une fois, vous êtes sûr? C'est pas genre ça lance à chaque fois les dés? Ah, si c'est juste une fois, c'est vraiment fort. Mais je suis pas sûr de ça, hein. Ok. Heat wave. Heat wave. Heat wave. Heat wave. Pour l'instant ça va. Ah ok. Bon. L'attaque est lancée. Attendez que l'attaque est lancée, la deuxième est forcément à 100%. Je savais pas du tout. Le prochain qui est mort se fait super mal. Donc là, là on lead avec clic tic clic. On lead avec clic tic clic. Tu dois poser le soleil pour éviter de te faire OS par une attaque haut. Oh. Ok, et après on switch sur clic tic clic. Ok. C'est qui, c'est elle la meuf avec Kemors? Celle ou pas? En vrai ça va, ça avance bien. La run est bénie des dieux. Vraiment. La run est bénie des dieux. Putain, c'est elle la conne, je suis obligé de me la faire. J'essaie de l'esquiver depuis tout à l'heure. Putain, j'ai pas envie. Bon, allez. On met le soleil. Et on prie. Ah. Attends, donc là, lui, je bute. Mais je pouvais pas Quiver Dance au pire sur lui et comme ça. Ah, c'est. J'ai bien aimé le moment où. Ah non, c'est pas lui. C'est son grand frère qu'on doit buter. Lui, on le bute. Mais je pense que si on spam 2-3 fois Quiver Dance, pas de galère, si. Y'a pas de lézard, là. Je peux avoir ton Discord. Pas d'exclamation Discord. Oh putain, je suis scarfé. Oh, il a fait Blizzard. Je suis scarf, je suis scarf. Nous oublions ce que j'ai dit. Oh, il a fait repos, pas mal. Je fais quoi là? Wild charge? Vu comment il tape fort, je sais pas, hein. Tu peux shift gear wild charge. Ah bah il a raté, ouais. Dégage. Ah, c'est marrant ça. Il a résisté à un HP, vous avez vu? Ok. Wouah, le recoil est violent de ouf. Hop. C'est quoi? C'est pour faire ça? Ok. Je crois que c'était la dernière dresseuse, dans mes souvenirs. Sauf si Draeno. Ah putain, c'est l'avant-dernière? Encore à l'oral de merde, vraiment.
Il y en a deux. Non, normalement, là, lui, c'est le dernier, je crois. Je crois. Le prochain qui parle de mon physique est ban def. C'est dans les règles. Vraiment. Donc après, si vous êtes ban, vous allez dire « Oh non, mais putain, je connaissais pas les règles et tout. » Lisez les règles, s'il vous plaît, avant de mettre un message dans le chat. Parlez des Pokémon, s'il vous plaît. Arrête de respirer par la bouche. Mais mec, j'ai le... Je suis enrhumé. Je suis malade. Prochain message sur mon physique, j'enlève la cam pour tout le live. Je le dis. And I'm not trolling, bro. And I'm not trolling. Et après, vous allez mettre un message. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la cam? Je vous connais. Bon, vas-y, j'y vais. On n'est pas là pour ça, wesh. En plus, c'est dans les règles. J'ai vraiment pris le temps d'écrire les règles, une à une. Ok, bon, ça c'est fait. Et normalement, ici, dans mes souvenirs, il n'y a pas un délire où on peut passer à travers pour gagner du temps d'un rocher où je suis un ouf. Ah, si, ok, je m'en souviens. C'est là. Celle-là. Non. Qu'est-ce que je fous? Attendez, je suis un peu con. Je me rappelle plus exactement comment on fait. Voilà. Après, on passe à travers ce rocher qui est mal codé. Après, on passe à travers ça. Attends, on passe à travers ça. Comment est-ce qu'on faisait dans le speedrun? Bah c'est bon là, non? Voilà. Je sauvegarde juste ici et tout pour vérifier un truc, mais je crois que là c'est bon. Hein? Attends, quoi? Voilà. Amikam ne connaissait pas cette technique. Amikam ne connaissait pas le glitch. I can't. Amikam n'était pas au courant qu'il y avait un rocher qui était buggé. Bro, never speedrun Pokémon noir et blanc. Mec, ne connaissez pas. Attendez, je vous le remontre hein, si vous voulez. Mais en gros, on sait pas pourquoi. Mais dans Pokémon noir et blanc, ils ont oublié. Ah merde, je sais pas si ça va remarcher. Parce que là, j'ai tout changé. Attends. Mais en gros, ils ont. Je crois que c'était comme ça, non? C'était comment de base? On va dire que c'était comme ça. Ouais, voilà, c'était comme ça. Mais en gros, ils ont oublié de gérer la collision de ce rocher-là. Très exactement. C'est-à-dire que celui-là, regarde. Je peux passer à travers. Celui-là, je peux pas. Ah si, ces deux-là, je peux. Voilà, il y en a deux où je peux. On sait pas pourquoi. Ah non, celui aussi, tiens, je sais pas. Bref, du coup, on passe là. On passe là. Voilà. C'est vraiment le jeu de base, quoi. N'hésitez pas à lancer votre DS pour voir. Voilà, j'ai speedrun le jeu, donc je peux vous le dire. Voilà. Et aussi dans la tour Dragospire, pourquoi est-ce que je me suis pas pris de dresseur? C'est parce que si tu cliques sur B, il tourne. Voilà. Et j'avais dit que le prochain message sur physique, j'enlevais la cam. Donc, on va sur la prépa. J'ai appris une dinguerie. Bah, et non, dans la tour avec la cloche là. Faites B au deuxième étage et vous allez voir, vous pouvez ne pas avoir les. Enfin bref. Petite astuce comme ça. La tour, je savais, ok. Mais vous saviez pas pour le rocher? Eh bah oui, les gars. La tour, c'est connu. Et ce rocher-là n'est pas connu? Bah, les gars, ça me régale hein, si je vous apprends des trucs en vrai de vrai. Alors, nous sommes sur. Putain, mais là, il a rebugué mon stream deck. Ah ouais, non, mais le gâteau, on va les retrouver. Alors. Bah là on va lead évidemment avec truc. Bah normalement là Heatwave one shot les deux non? En théorie. Genre lui c'est one shot. Je pense que lui en théorie one shot les deux. Après le problème en fait c'est que là lui il a Blizzard quoi. Mais Blizzard me fait rien moi. Ah Blizzard est-ce que ça touche les deux personnes ou pas? Galeking Choice Band. Pour qui?
finir l'huile. Du coup, ça apprend que la neige de Abamasmo vu qu'il est plus lent. Ah, ça marche comme ça? Il se passe quoi en fait quand il y a deux... la neige va proc en premier, mais Osef. Bastadja. Merci Fichello. J'ai pas compris. T'auras pas de sun. Bah c'est trop chiant. Après c'est vrai que c'est trop chiant. Et surtout ils ont Blizzard 100% en fait. Oui mais t'as outspeed. Il faut que je sois sûr de one shot alors. En fait. Et en plus je crois qu'il y a pas mal de trucs qui... Ah non ils ont pas les trucs que... les délais, ok. Moi je pense que le mieux, ce serait peut-être que je me set up, non? Genre je bait pour que les deux là ils visent un autre truc, je me set up et là je one shot tout. Ou alors c'est pas possible. Si tu mets Flagazos, tu vas peut-être faire Marteau Boy et ensuite tu switch sur Pyrax pour peser le sun. Bah ce serait bien déjà, en plus ils auraient Blizzard pas 100% de précision donc c'est trop chiant en fait de pas avoir Pyrax 100% de précision, enfin pas, ouais. Avoir le sun tout le tour c'est tellement huge. Je pense que c'est une knocker. Juste lead super agressif. Ouais. Donc là lui on met top 1. Mais on lead avec qui? Attends. Avec Galé King. Il est là. Voilà. C'est la reine la plus free du jeu. Ouais. Oui. Tu lead avec un Pokémon plus rapide et Volt Switch. Et tu poses le soleil avec Pyrax. Ah! Ah! Ok, mais je Volt Switch avec qui? J'ai pas de Pokémon rapide qui ont Volt Switch. Ou alors lui, je Choice. Et au premier tour, tu protectes. Ouais, ouais, je vois. Ça peut totalement se faire. Ah, mais du coup, lui, je Choice pas. Si je protecte. Je mets un autre truc qui protecte. Genre lui. Je pense. Ou genre lui qui protecte au pire. Il protecte. Là je mets un Pokémon. Je mets Emolga qui est rapide. Je mets Emolga qui est rapide avec. T'as pas un Pokémon Fake Out? Non. Enfin. Si, mais je pense. Enfin, je pense vraiment que. Plus simple, non, de scarfer tout simplement. Sinon tu fais God le premier tour avec Ecléon. Bah pourquoi? Pour faire des dégâts. Et tu switch sur Pyrax. Et tu one shot tout le monde avec le soleil. Bah non mais du coup là je fais ça. Là Volt Switch, il arrive. Lui il protect donc il se prend aucun dégât. Personne se prend de dégâts. Ah peut-être que Volcarona il va se prendre des dégâts. Mais non je pense pas. Non, 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 je pense pas. Pour te prendre qu'une seule attaque et tu poses de manière safe. Ouais, ouais. Il a Serene Grace. Donc il va te freeze. Avec Blizzard
Si votre Pokémon est en réserve, c'est parce qu'il a full bonbon ou parce qu'il a XP des remplaçants à cause du level cap. Quoi? Ah, c'est bonbon. Tu parles des niveaux, c'est bonbon, c'est bon. Sinon, c'est un Pokémon par zone. 20% de chance de freeze le blizzard de Glaceon. Moi, je pense que tu lides avec Victini et Kecleon. Mais dans quel monde Kecleon il attaque avant en fait? Ah, parce que ok, il a fake out. Mais pourquoi Victini? Ah, je U-turn le Victini. Ok. Donc lui déjà je le mets au niveau. Oh. Mais du coup je dois fake out. On fake out le Pokémon de droite, on est d'accord. Enfin on fake out Glaceon. On fake out Glaceon. Là lui. Attends, on est sûr qu'il a fake out? Il a même pas fake out. C'est quoi cette... Après, je crois que lui, il a fake out, pour le coup. On est au même. Après, le temps des runs a diminué, c'était 21. C'était parce que c'était le chrono de que j'avais laissé tourner parce que j'avais pas fermé mon PC hors live. Au début de live. J'ai remis le vrai temps. Voilà. Ok. Y'a pas un monde où tu sweep avec Tignon? Quoi? Non. Oublions ce monde. Mais non. Là, en gros, ce que je veux juste faire, c'est genre... lui, U-turn, Abamasno. Lui, il fake out, truc. Ensuite, j'amène Volcanora. Et ensuite, je fais Heat Wave. Et limite, je mets Darumacho. Non. Pas besoin d'Aromacho. Bah je mets qui? Genre je mets juste Volcanora. Tu peux drain punch avec Imochan. Bah je sais pas s'il est assez rapide en fait. Il est fort tu vois, mais est-ce qu'il est assez rapide? Oui, ok. Bon. Ok. C'est pas la reine la plus dure du siècle quoi. C'est level 63? Bah en fait il faut pas que Heatwave rate, on est d'accord. C'est ça? Le Furie est mort, nope. Nope nope nope. Non non, le Furie vient. C'est pas la plus dure avec Volcanora, ok. Faut pas rater, mais même si tu rates c'est fine, ok. Bah je vais mettre juste à 1 XP de level up et je pense qu'on est bon. Honnêtement je pense qu'on est bon. La strat me l'air fine. En fait le fait que ça aurait été beaucoup plus dur si Heatwave n'en touchait que 1 sur 2 tu vois. Mais là Heatwave ça touche les deux donc, dans un combat duo. Donc pour moi c'est genre beaucoup plus que fine en fait. Merde. My bad. Merde. On est parti les gars.
Je pense que cette arène peut se faire, honnêtement, tranquillement. Vraiment tranquillement. Enfin, tranquillement. Je crois pouvoir de l'amitié, quoi. Peut-être changer le l'objet de... Défi Masterclass, on y croit. De Darumacho. Nice. Bon. Je pense que ça s'est calmé. On est reparti. Je pense qu'on peut, y aller là, en vrai. Un peu de pouvoir de l'amitié. Un peu de... De tout ça, mais ça devrait le faire, je pense. Tout le monde est à un HP ou pas? Tout le monde est à 1. On y go? Tu peux pas export, export, etc. Ta save. Tu peux pas export, insert, etc. Ta save à chaque fois pour faire des trucs. Si. Bah, c'est ce que je fais. T'es en train de sous-entendre que je suis super rapide et que tu remarques même pas. Non, ça devrait le faire. Les objets, c'est good. Ça a l'air d'être good. De toute façon, il. Ah, j'ai des choice. Je choice, oui, bof. Ah, attends, je vais peut-être le. Oui, le choice scarf. Ouais, je pense que là on est bien. Et lui, il a quoi comme objet, lui, ce con là? Il a Bess Citrus. Qu'est-ce que je lui donne, lui, comme objet? Parce que Bess Citrus avec Drain Punch, ça sert un peu à rien. Non, si, au contraire, je pense que ça peut être pas mal. Lui, il a choice scarf pour aller plus vite que les autres et spammer it wave. Mais non, ça devrait le faire. Vas-y. J'espère que ça le fait. Lumberry, j'en ai pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison tu m'en as pas donné. Je n'ai pas de Lumberry. Je n'ai que les baies une par une, mais j'en ai aucune lum. Je m'étais fait la réflexion au tout début de la run, je me suis dit, c'est bizarre. Mais je l'ai accepté. Je l'ai accepté, je me suis dit peut-être que c'est normal. J'ai pas osé demander. Alors... Alors là, ce qu'on fait, U-turn ici. Et là, fake out ici. Ah là. Comme ça, il nous attaque pas, il nous embête pas, lui. Ah bah si, en fait, c'est red. Non. Parce qu'on peut pas les trouver. Ah, on peut pas les trouver. Ok, bon bah, il y en a pas alors. Volcarona. Et là, il faut juste espérer que Abamasnow nous embête pas trop, mais ça devrait, aller. Là, on met le soleil. Glaceon et Flitch, évidemment. Blizzard, Imochan est vite. Et Volcanora, ok. Il le prend pratiquement pas de dégâts. Là, il faut juste pas que je sois glacé. Nice. Bon. Bah, c'est bon, là. Là, c'est du Heat Wave. Et du Drain Punch. On Drain Punch qui? C'est qui? Bah, c'est Glaceon, le mec que je suis le moins susceptible de tuer là. De toute façon, normalement, Heat Wave avec le soleil, plus le stab, plus le super efficace devrait tuer les deux. Hein. Ouais. De toute façon. Mais bon, le beau soupçon quoi. Ouais, c'est 90% de précision Heat Wave. C'est pour ça que ça me plaît pas beaucoup parce que bah. Surtout en combat duo, ça multiplie les chances de rater un des deux. Donc j'essaie de... C'est un peu compliqué, mais bon. Frostlass. Un peu chiant, Frostlass à gérer, mais bon. Donc là, Heat Wave, encore une fois. Et là, lui, Drain Punch, lui. J'espère que Heat Wave one-shot les deux. Il y a le soleil, hein. Donc normalement, ça devrait one-shot les deux. C'est quoi cette arène de con, là? Alors lui, il faut le taper sur le physique parce qu'il y a une énorme défense spéciale et c'est pour ça qu'il y a Imochan. Donc si lui résiste à droite, il n'y a aucun souci. Parce qu'on va lui mettre une droite et pas deux. Ah, il a raté. Il a raté celui qu'il fallait pas rater. Ah, il est sage. De toute façon, ah ouais, pas de chance là de le laisser un HP vente.
Ah, il fait reflet. Enfin, les deux arènes en une soirée. Deux arènes en une soirée, ce serait dingue. Je te cache pas. Il a pouvoir anti. Non. Close combat. Je suis full life, c'est pas stable, lâche ça. Ça commence à faire beaucoup, hein, vraiment. Je suis à deux doigts de dire le mot gênant. Vraiment. Je suis à deux doigts. C'est gênant. C'est gênant. C'est, on est gêné. Attends, ça touche tout le monde là. Attends, si ring shot, ça touche tout le monde. Ah non, c'est insupportable. Osef de Tignon. Ouais, mais quand même. Genre, juste le fait que ça existe m'énerve en fait. Ça me pète les couilles en fait. Au bout d'un moment, il faut doser en fait. Genre. Voilà, bout ta grand-mère, toi. Dégage. Encore un mort, encore un coup critique. Et bah, j'espère que au moins, on a eu la dose du coup critique de la game et qu'on se tape plus, quoi. Genre. Voilà. Non, parce que ça fait une heure de live, deux morts, deux coups critiques. On peut arrêter ou... On peut ou... Non, ça commence à être violent. Parce que Vipelia coup critique, lui coup critique, coup critique, coup critique. Pratiquement la moitié de mémoire s'écrite. Je vais câbler en fait. Résister à un HP into crit, c'est waouh. Genre l'euro into crit, c'est, ça commence à être très 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 frustrant. Le prochain level cap c'est quoi? Ça doit être 68 je pense. Quoi? Est-ce qu'il y a un combat contre Bianca en triple battle? Mais c'est quand ça? Pas maintenant. C'est quand le combat Il y a un combat triple battle contre la connasse de Bianca? Juste avant le pont. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ok. Ah. Et le level cap, c'est level 66 seulement? Je fous de ma gueule. Ah non, le combat trip, c'est après la tour d'Agospire et le... Ok, bon. Bah en fait, là, j'ai pas de zone, là, non? J'ai des zones ou pas? Tu peux pas te augmenter. Mais j'ai des zones, surtout? Je crois pas avoir de zone. Si? Tu as Dracolos. C'est vrai qu'on a Dracolos. Ok. Ok, il y a Dracolos. Mais bon. Ok. Bon bah, on va essayer que tout se passe bien. Hein. Ah putain, c'est Mustéflotte qui faisait surf. Bon, pire flag à tous, pas fond de surf. En vrai, de vrai... Hein. Elle était facile quand même l'arène. Mais j'ai quand même eu un mort. C'est vrai qu'il y a des arènes où j'ai plus galéré mais il n'y a pas eu de mort. Comme quoi. Bon allez go. Ok, c'est que les surfs normaux. Bon ça va, c'est rapide. Et je peux capturer un Dragonair. Bon, ça va, ça va, ça va. Ça va. C'est ok. Il faudrait qu'il ait le talent multi-écaille, c'est tout. Et on est très bien, on est d'accord. Psycup? Non. Rêve du t-shirt métamorphe. Je crois que c'est un Uniqlo, mon ref. Il me semble que c'est un Uniqlo. Je peux encore surf là? Je peux tellement plus surf? Si? C'est qui ce connard là de con là à droite là? Il est horrible? Ah non, ok, c'est bon. Bon, ça va alors. Je retire le connard.
Tout va bien. Attends, on peut surfer à droite? J'ai jamais surfé à droite de ma... L'homme le moins chanceux de la planète. Tu me mets pas au niveau. Je peux pas. Imagine, je passe au-dessus de 66 en tuant les randoms. Je peux pas. Ah merde, ah merde. J'attaque avant, non? Pff, j'ai tellement la flemme de tryharder ce combat, c'est un truc de ouf. Bon, c'est un déplaisir, mais... À 64. Je sais pas. Quoi? Crit. Je vais cut le live. Je pense cut le live. J'ai eu ma dose, je rigole pas. Vraiment, j'ai eu ma dose là. Mec, j'ai eu ma dose. C'est chiant. Rien à dire de spécial. Mec, il était jamais censé me tuer de toute façon. En fait. C'est bon, frère. 3 morts, 3 crits, on est alive. Wesh. Oh là là. 3 morts, 3 crits, quoi. Putain. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Vraiment. T'as pas pris de crit. La vie de ma mère, j'ai pris un crit. Il y avait marqué quand même. Il y a eu 0 crit. Il n'y avait pas marqué critical hit sur l'écran. Il n'y avait pas marqué critical hit sur l'écran. Ok, j'ai pris 50% avec les PDR, mais jamais de la vie je serais mort sans un crit. Hein. Jamais, hein. Un coup normal, je serais pas mort. Évidemment que j'ai pris un crit. Ouais. Ok, j'ai mis sur les PDR, c'est une erreur, tu vois, j'étais mid-life. Mais jamais. Jamais il m'enlève 50% en fait sans crit. Jamais, hein. Jamais. Faites-moi confiance, j'ai vu crit moi. Je l'ai vu, hein. Genre en mode sans crit, il m'enlève mid-life. C'est impossible. Un clip, OMG. OMG le clip. Est-ce que Josplay est un menteur? Oh, crit. Josplay le menteur qui ment pas beaucoup, hein. Vas-y. Si j'étais, enfin, rien quoi. Un crit, c'est un crit. 3 morts, 3 crits, c'est chiant. Pourquoi c'est un haut taux de crit? Ouais, mais ça a aussi un haut taux de fail. Genre, il aurait pu juste miss l'attaque aussi. Bonsoir. Hein. C'est unlucky, hein, mais. Unlucky, hein. Mais c'est vrai que là, en une heure, 3 morts de crit. It is what it is, but quand même. Ça fait beaucoup là, non? Le même là d'internet. Bon, on a Dratini. T'as en vrai perdre loot, c'est trop chiant. Je vous jure. Il achète skin. Est-ce que achète skin ça se transforme en multi-écaille à la fin? Plus P attaque, moins speed. Ouais, il se joue les deux, je crois. Direct en dépression. Les gars, vous savez qu'en ce moment, je lis beaucoup de messages comme ça, alors que je kiffe live et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ils veulent m'inventer des vies en mode. Vous êtes tous en étude de.
en étude, genre Fabien Olicard en mode ouais, là il a dit ça, donc il est malheureux. Genre, j'en peux plus, frère. Genre, non, mais il préférait stream il y a 2 mois. Je comprends pas. Vous êtes tous rentrés en Fabien Olicard. Genre, je lis trop ces messages là, je n'en peux plus. C'est ces messages là qui me tillent, frère. Ou alors, il a l'air fatigué, non? Genre, c'est trop. Non. Enfin, je vous le dis quand je suis tilt. Genre vraiment, s'il y a bien un mec qui communique quand il est en colère ou quand il est triste ou quand il est dégoûté ou quoi, c'est moi. Si tout va bien, tout va bien, wesh. Je sais pas quoi dire, en plus ça me gêne un peu. Arrêtez de faire des Fabien Olicard, des choses comme ça là, je vais très bien. Si ça va pas bien, je vous jure, je vous le dirai. Je vous le jure, en plus je suis le premier à dire, ça me saoule et tout. T'es vraiment le premier. Multiscale, ouh, c'est pas mal ça. Moi je vous jure. En vrai, c'est pas mal. En vrai de vrai, pour le coup. C'est pas mal. On dirait que t'assumes que tes Pokémon soient morts. Bah non, je vais twerk là juste parce que j'ai perdu un Pokémon au bout de 19 heures de run. Par un coup critique. C'est quoi ça? Bah évidemment que ça me saoule. Mais j'ai pas envie d'arrêter. Je vais pas me suicider quoi. C'est un Pokémon. Ça fait chier, mais évidemment que ça fait chier. Surtout que c'est un bon Pokémon. Pyrax, c'est un très bon Pokémon, donc c'est chiant. It is what it is, comme on dit. Il y a peut-être un monde où Safeguard sera une bonne attaque. Hein. J'ai enlevé Aquatel, mais elle peut très vite revenir. Tu es pas obligé de capturer le premier Pokémon de la zone. Si. Sauf que là, Hippotrempe, je l'ai déjà, et on ne peut pas capturer 2 fois le même Pokémon. Voilà, c'est pour ça que j'étais obligé d'avoir Dratini. J'ai déjà Hippotrempe. Et dans le Nuzlocke, il y a la règle du doublon. Du coup, bah... Voilà. Pourquoi est-ce que j'étais sûr à 100%? C'est... Sachant que dans cette eau, c'est soit Hippotrempe, soit... Dracolos, du coup. Enfin, Dratini. Du coup, bah, j'étais sûr à 100% de l'avoir. Yes, I. Vous avez raison, je vais regarder les IV. De Dracolos. Après, c'est un Dracolos, en vrai. Hein. Même un Dracolos avec de très mauvais IV reste un Dracolos. Mais... Regardons quand même. Oh putain, les IV de Zinzin. Bah, il a pas les IV de Zinzin. Oh si, en vrai, il a des bons IV. Oh si. Il a juste... Oh si, il est sexy quand même. 27 d'attaque. 26. Il a 26 en attaque. Mais c'est presque ça. Mec, il est pas mal du tout. Hein. Bon, il a juste 6 en défense. Mais en vrai, il a 26 en speed. Même s'il est moins en speed, 26. Je pense que ça peut pallier la nature. Il a pas mal de défense. Et au pire, c'est pas grave si c'est pas bien parce qu'il a multi-écaille. Donc ça va. 14 plus la nature et 26. Il est vraiment pas mal. Et 23 PV. Je jure qu'il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Genre vraiment. Pas mal. Ça fait chier d'avoir perdu quand même Pyrax, mais... Mais bon. Peut-être qu'il s'est réincarné dans un autre poké. Hein. C'est le mec qui veut se rassurer. Je suis trop dégoûté. Hein. J'arrive pas à Gonex, je suis désolé. Je sais que c'est insupportable quand un streamer il est en live et tout, il arrive pas à Gonex sur soit un message chiant, soit un truc chiant, mais. Pyrax! En fait, Pyrax, ce qui était bien, c'est aussi qu'il mettait le. Il mettait la météo infinie, quoi. Et en plus, il pouvait sweep. En vrai, Pyrax, on l'aurait pas eu tant utilisé que ça, si. Je réfléchis. Bah, à la ligue, je vois pas quand est-ce qu'on utilise Pyrax. Farm Pyrax. La règle du doublon, évidemment. Dracolos. Ouais, Dracolos, il est là dans Draco, je lui ai appris. Pyrax Shiny. D'accord, c'était ça, farmer. À la ligue, il sweep 2 membres. Pyrax. Ah ouais. Je vais prendre Roost. Non. J'enlève quoi là? J'enlève Safeguard et j'apprends Roost? Ou c'est con? Ça peut être pas mal du tout, non? Je suis en train de me dire. C'est vrai que Safeguard c'est pas mal. Roost tous les jours. Ok. Roost,
C'est trop bien pour récupérer le multiscale. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais, bref. C'est exactement à ça que j'ai pensé. Extreme speed. Bah, je mets quoi pour extreme speed? Ouais, c'est bien d'avoir un stab vol. En fait, j'aimerais bien avoir une meilleure attaque, genre Dracogriffe. Elle est horrible cette attaque. Il me proposait pas Dracogriffe? Multi-écaille, c'est je prends moins de dégâts quand je suis full vie. Voilà. Il voulait pas prendre Dracogriffe? Ou sinon c'est la CT? C'est insoutenable si c'est par CT, Dracogriffe. Putain. Les dragons, ils jouent à ma mère la puce si j'apprends une attaque dragon en fait. C'est ça le problème. Un dragon Oh là là. Dragon Rush, une chance sur 4 de rater, c'est impossible que je mette ça dans mon équipe. Hein. Impossible. Merci Sacha. Impossible. Peut-être. La CT Dracogriffe est dispo quelque part. Outrage, il apprend outrage lui? C'est sûr qu'il apprend outrage, mais ça doit être méga tard qu'il apprend outrage parce qu'il est quand même déjà level. Il apprend colère au niveau 67. Oh mon dieu, tellement dommage. Bah en vrai, il pourrait l'apprendre pendant le combat. Il pourrait l'apprendre pendant le combat contre les types dragons en fait. Donc c'est pas mal. Outrage, c'est pas dangereux. Pas tant que ça. T'as déjà eu Grignot? Non, pas Grignot. Mais on a plein de dragons. En vrai, en dragon, j'ai pas à me plaindre. J'ai mieux que Grignot en vrai. Moi, j'ai Trioxyde qui est mieux. Enfin, mieux. Différent, mais voilà. Et Dratak qui est pas mal non plus. Dratak est vraiment pas mal. Genre, vraiment, il a vraiment des IV de fou. C'est vrai que j'ai des IV de fou avec Dratak et avec Dracolos. Rude victoire à Dracogriffe. Oh là là. Ah, et Hyporoi qui est très très bon aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En plus, il a intimidation. Qui ça? C'est vrai que lui, il a intimidation. Après, il aurait pu avoir Guts. T'as Victini qui peut faire le taf. Non. Victini. Il pourra sweep la dernière arène, sans souci. Bah alors, il faudrait qu'on mette Drizzle. Ah, mais ça combat duo? Ou ça combat triple? Ou ça combat qui tourne, je crois. C'est ça? Combat Rota. Donc il faudrait que j'arrive à mettre l'eau pour que lui il outspeed tout le monde en fait. En gros. Et tu Rota, Choice Peck. Ouais. Ok. Et là je one shot tout le monde. Je sais pas si je one shot le Dracofeu. Est-ce que je one shot le Dracofeu? C'est la question que tout le monde se pose. Je sais pas hein. Après peut-être qu'il va à Rota. De toute façon on y est pas encore. Dracofeu tu le one shot pas mais il te tue pas non plus. Ok. Ah mais non. Est-ce que Dracofeu il a le type dragon? Peut-être que Dracofeu a le type dragon. Sur Renegade Platinum il a le type dragon. Donc si il a le type dragon on le one shot. Si il a pas le type dragon on le one shot pas. Je sais pas c'est à partir de quand qu'il a décidé de lui mettre le type dragon. Il est pas type dragon, il est feu vol dans le jeu. Ok. Putain sur Renegade il était dragon frère. C'est dommage que j'ai pas deux Pokémon. Genre le Pokémon qui foudroie tout le temps. Attends, Galeking il est encore en vie? Putain, Galeking est encore en vie après tout ça? Comment Galeking peut être en vie alors que... Alors que je fais tout pour le buter quoi. Je pense que ça va être ça mon équipe, non? Pour la... Pour la tour. Vous en pensez quoi? Et peut-être que je lead avec Dragonite. Ou alors Victini, peut-être Victini peut être pas mal. Flotoutant. Non, Flotoutant, il faut surtout pas que je le perde. Pour le coup, il faut pas que je troll sur Flotoutant. Vraiment, si Flotoutant perd, il y a moins que qu'il y ait des larmes qui coulent. Je ne jouerai pas. Si Salamence il a Intimidate.
Mais perdre Salamence, c'est chaud. Si je troll Salamence, c'est très très chaud. Très très chaud. Vraiment. Là, je... Vraiment. Il y a... C'est chaud. Après, il a 145 de speed. Je peux lui mettre limite le truc pour aller plus vite, là. Si je troll Coatox. Non mais Coatox, il sera pas dans mon équipe. Le bruit de pluie, c'est un effet sonore ou il pleut vraiment? Hein? Ça va, mec? Ça va, tu m'as demandé de regarder pas ta fenêtre, là. Je rêve pas, là. Il m'a demandé... Mec, tu peux regarder par ma fenêtre s'il pleut ou pas? Il est con, Colin. Je suis abasourdi, là. Frère, regarde pas ta fenêtre, t'es bizarre. Il m'a demandé, est-ce qu'il pleut, mec? T'as ton OST qui a des bruits de pluie. Ah oui. Hein? Parce que moi aussi, il pleut dans la vraie vie, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, il demandait s'il pleuvait. Moi, il pleut dans la vraie vie. Attendez, vous entendez la pluie, là? Ah, là, j'entends la pluie, ouais. Ah, putain, il pleut. C'est dans la vraie vie? Bah, je crois que c'est dans la vraie vie et dans la musique. C'était les deux, mec. Je suis choqué. Comme quoi, ne jamais juger un livre à sa couverture. Et pas à sa couverture, hein. Oui, non. Je sais pas si je scarf. En vrai, il est pas si rapide que ça, mon Salamence. Donc, je vais le scarfer et je vais one-shot tout le monde, je pense. Pyrax, rentrons. Non, mais Pyrax, honnêtement, il m'a pété les couilles. Hein. C'est bon. T'as pas envie de faire un arc Temtem pour changer un peu de Pokémon? Mon ref, tu représentes parfaitement les gens qui disent pour changer un peu de Pokémon, mais qui ne regardent pas mes lives hors Pokémon. tu es le vraiment l'archétype typique. En fait, tu dis, ouais, il fait que du Pokémon, mais en fait, tu regardes pas quand je fais pas de Pokémon. Donc, normal que tu penses que je fais que du Pokémon. Mec, j'ai fait 2 mois entiers de TOTK. Mon dernier concept, c'était Cuphead. Enfin, vraiment. Mais vous ne regardez pas quand je fais autre chose. Et après, vous dites que je fais que du Pokémon. Mais c'est pas vrai, vous regardez, c'est vous qui regardez que quand je fais du Pokémon. Non, on a fait plein d'autres choses que Pokémon ces derniers mois. Vraiment. Je vous le dis. Donc si, on fait des choses qui changent de Pokémon, mais vous n'êtes pas là, quoi. Mais on en fait. Trust me, bro. Psycho, c'est scénario. Kirby. C'est vrai qu'on a fait du Kirby. Mais même là, le dernier concept qu'on a fait avant celui-là, c'était Cuphead, non? Et avant, c'était Zelda. Et avant, c'était Mario Odyssey. Y a pas assez de Dracogriff? Malheureusement, non. Mais là, je crois. Là, je suis obligé de tuer ces Golemon, putain. De toute façon, là, non, je suis Choice Peck. Je vois pas où ça peut mal se passer. C'est le mec qui est... Ah, Intimidate. Le problème, c'est que j'ai pas leur attaque. Donc là, il me sort un Crogif, je serais choqué. Mais ça peut arriver, lui. Non? En plus, il y a en intimidation. 9 sbires plasma. Y a pas Crogif. Bon, s'il y a pas Crogif, ça dégage. Ah. Il dégage aussi. Ah, Gunkshot. Midlife. C'est quoi ce Pokémon de con, frère? Ah ouais, non mais là... Quoi? On va mettre King Klang. Putain. Ça commence à être bizarre. Non, ça commence... Moi, je dis juste que ça commence à se voir. Ça veut m'éteindre. Ça veut m'éteindre. Swagger! Oh, marrant ça. Ok, je me suis pas tapé dans ma confusion, tout va bien. Je joue pas Salamence. Bah, je sais pas qui jouer en fait. Je joue qui? Victini? Qu'est-ce qu'on joue? Novek, je ne sais pas qui jouer, mec. Je ne sais pas qui jouer. Je suis complètement perdu. Genre, vraiment, je suis du père. Parce que là, je peux perdre personne en fait.
tous tes Pokémon niveau 63. Allez, ils sont pas tous niveau 63 là. Bon, lui, voilà, mais lui. Oh putain. Ok, bon, ça va. On dépasse pas le truc. Et joue et ne joue pas ceux que tu veux pas perdre. Ouais, mais là, il y a aucun que je veux pas perdre. Tu joues Sablero. Sablero, peut-être on peut jouer lui. Darou Machu, je m'en fous. Simmer, Flagado, je m'en fous. Galekin, je m'en fous. Mais là, là, il y a que des trucs que je m'en fous, hein, en vrai. En vrai, là, il y a que du caca, là. Dauphin, non, Dauphin, je vais pas le perdre. Attends, tu m'as dit 63 ou 64? Je vais peut-être déconner. On est parti? Bisharp. Bah Bisharp, il va se prendre un petit super efficace dans sa mère. Voilà, il dégage. Pokémon qui vit pour les caméras, là. Tadmorv. On va faire U-turn. Ah merde, finalement, j'ai pas pris le Pokémon Sol. Un petit Pokémon Sol aurait fait du bien. Wouah, Sludge Bomb stabé plus empoisonnement. Ça aberrant, frérot. Psycho, super efficace. Ah, Gunshot. Ah, je suis mort, là. Ah bon? Je jogue. Encore? Encore? Mais non. Mais non. 4 morts, 4 coups critiques? Mais non. Mais non. 4 morts, 4 coups critiques. Mais non, mais non. Mais non. C'est bizarre. De toute façon, dès qu'il y a un Pokémon qui meurt, c'est coup critique. Hein. On va pas se mytho. Enfin, c'est bon, je ne perdrai plus le Pokémon normalement, là. J'ai plus le droit. Je peux rien faire, hein. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu souvent. Je fais pas d'erreur, y'a aucune raison de perdre un Pokémon sans critique. C'est vrai. C'est vrai. En vrai, c'est vrai. Donc bon. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de me baiser, hein. C'est réel, moi, on m'a gâté. En vrai, ça va, ça fait partie du jeu. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'il peut. Même s'il y a genre 10% de chance ou 20% de chance qu'il se passe quelque chose de mal, ça se passe. C'est ça qui est un peu frustrant, ouais. Oh merde, il a augmenté. Ah, il a augmenté tout. Il va me sweep là, non? Strength ou Nice Slash? Vas-y. Ah merde, je suis bloqué sur Strength. Crit encore? Waouh, il y en a beaucoup des crits. Petite para. Bah, c'est tout le temps ça. Je n'ai pas un combat normal, genre. Je sais pas quoi faire. Putain. Je peux, genre, pas juste prendre un coup et au pire, je le prends et je me dis, c'est pas grave, voilà, ça fait partie du jeu. Je vais juste prendre des coups bizarres. Oula. Il est ténèbre lui. Il va me baiser. Oh merde. Je suis Scarfed. Je vais mettre Sand Slash. Hein? Il m'a maudit genre. Je pense que même en jouant sans accélérateur, je pense que le coup critique sera un coup critique. Je vais pas mytho. Sans vouloir. Voilà. Je meurs pas parce que je me précipite. Enfin, allez, peut-être Pyrax à la limite. Et encore. Et encore parce que c'est un crit quoi. Mais bon. Je pense que les deux derniers crits. Franchement c'est des crits quoi. C'est juste mauvais switch. Mais j'ai l'impression que je switch sur n'importe qui. Enfin ça l'aurait tué quoi. Ça aurait tué quelqu'un d'autre, mais ça aurait tué quelqu'un. Le gros Talmorf, tu pouvais juste envoyer clic clic clic. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je connais pas ses sets en fait, donc je savais pas. Peut-être qu'il allait sortir une autre attaque, tu vois. Je savais pas qu'il y avait que des attaques poison.
en soi. Enfin, que. D'ailleurs, je sais même pas encore aujourd'hui. J'ai vu 3 attaques sur 4, donc peut-être qu'il y a autre chose. Sans Pyrex dans la run, je suis anéanti. En vrai, je pense que ça peut le faire sans Pyrex. Moi, je suis... Je suis plutôt optimiste à ce niveau-là. Sans Pyrex, ça va. T'attaques dragon. L'attaque dragon ? J'ai une CT là ? Je crois pas, j'ai vu que des Stardust, des trucs cons là. Objet à tenir. Ah, Joseph. Ah putain, oh mon dieu, attends, c'est là où je fais tous les combats d'affilée là ? Ok, là il faut strater, je pense. Là c'est les 4 combats d'affilée, on est d'accord. Ah, Simipour. C'est vrai que Simipour, on peut. C'est vrai que Simipour, one-shot tout le monde. Hein. Faut juste pas qu'il y en ait plus de 5, mais je crois que j'en ai vu 4. Okay, je me focus. Mais là, c'est les combats d'affilée, on est d'accord. Ouais, c'est ça, ok. J'avais la ref. Ah putain, il a beaucoup de Pokémon. Bon, ok. Eux, j'ai autre speed, c'est normal. J'espère qu'ils ont pas plus de 4 Poké parce que. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, là, réfléchissons un peu. Daro Macho ? J'ai pas accès à leurs attaques, hein, donc je ne sais pas leurs attaques. Mais je pense que là, Daro Macho est le. Oh putain, en plus je suis touché. Donc là, Water Sprout pourra plus Water Sprouter. Victini ? Ah non, Victini maintenant. Je peux pas Victini. Quoi ? Flare Blitz ou Fire Punch ? Fire Punch devrait le buter, non ? De toute façon, j'ai pas assez. Ouais. Ok, nice. Ok, là, il n'en a qu'un. Dust Noir. On met qui contre Dust Noir ? On peut mettre Sand Slash et faire Night Slash, je pense. X. Shadow Punch. Switch Aggron. Ah, lui, il attaque que sur le physique ? Ok. Ah, et là il a. Ok, il a Drapion. Et Drapion. Drapion aussi, il attaque sur le physique ? S'il attaque sur le physique, Aigron aussi, hein. Même s'il est pas insecte, mais bon. Poison Ténèbres, sinon je peux mettre King Lang. Comme mon ex, il attaque sur le physique ? Ça va pas dire ça. Merci Raifskin. Crit encore. Non, la deux, le premier crit était abusé, mais c'était Night Slash, donc j'ai accepté. Et le deuxième truc, je crois que c'est l'attaque qui est obligée de crit, non? C'est pas ça? Je crois que là, c'est fini. Je savais juste pas qu'il avait cette attaque. Trop stylé. Trop stylé, N, il est trop stylé. C'est le Pokémon légendaire. Ok, dégage. Donc là, on doit retourner au château enfoui. On doit retourner au château enfoui. Tranquillou. C'est ça, non? Oh, mais château enfoui, je connais encore des dressons. Le problème là c'est que l'XP management il est huge. Pourquoi ils me disent de faire la route 9 là? Ah ok, les trucs que j'ai déjà fait, c'est ça? Opulsit City, quoi?
Ah ok. C'est bon, j'ai les... Il y a combien de grunts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grunts à faire. 7 grunts. Après les grunts, ça en fait des freestyles. Après les grunts, est-ce que y a des zones ou pas? La 6 ARK. En fait, avec un type sol, ce serait tellement plus simple. Mais là... Après, ils ont pas l'air d'avoir des Pokémon de ouf. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment pas leur attaque, quoi. C'est ça le problème. Il me faudrait des zones. J'ai besoin de zones. J'ai besoin de zones. Je vais regarder les zones dans Wild Pokémon. Inside? Ah, inside the room. Ok, the tower. Ok, on s'en va. Route 9, on l'a fait, route 9? Je crois pas qu'on l'ait fait. Donc, ok, on pourra espérer choper un Luxio ou un Bichat. C'est là, en fait, on est censé avoir le Bichat. Ok. Route 10. Ok. Et après, on est à la ligue. Oh là là, il me reste 3-4 zones. Parce qu'après, là, il y a la ligue. Après, il y a la route victoire. Après, il y a le château de N, mais il n'y a pas de Pokémon. Après, il y a route 11, mais route 11, ça doit être... Village Bridge. Non, mais ça, c'est post-game, non? Ah, et dans le N Castle, on peut capturer le Reshiram. Ok. Je vais prendre Reshiram. Bah, de toute façon, je crois qu'on est obligé, non? Je peux pas ne pas capturer Reshiram. Mais oui, je le prendrai, évidemment. Route 11, tu y as peut-être accès, mais Village Bridge, je pense pas. Oh mon dieu. En vrai, il me reste pas beaucoup de zones, là. Hein. Là, vraiment, là, c'est fini, là. C'est fini de prendre des crits, c'est fini de que je fasse le con, là. Je vais mettre tout le monde au niveau, déjà. Hein. Comme ça, je vois vraiment tout ce que j'ai. Le... Genre, je les mets tous niveau 63, 64. On voit le PC que j'ai. Parce que c'est vrai que... Putain, j'ai... Tadmorph, il peut pas être bien, gros Tadmorph. C'est pas un Pokémon qui a une huge défense P dans ma tête? Ah non. Il sert à quoi, ce Pokémon? C'est genre juste une grosse merde. Bah, il a une grosse... il a une bonne défense P, mais c'est pas non plus... Gunshot, ça a 70% de précision et ça me touche à H24? Bah putain. J'ai pas demandé les attaques. Ouais, ouais, ouais. Là, déjà, je pousse à mon paroxysme. 146 de défense. Y'a pas une défense de zinzin non plus. Hein. Il a une bonne défense, mais c'est pas. Putain, par contre, il a une bonne attaque. Head smash. Non. Hyper voice, non. Souffrant par contre c'est pas mal. Ah ouais. Télé sur la mer de la ville. Oui. Oui oui, on a fait la route 17 et 18, on l'a fait. Yes I. Ah mais lui c'est... il est type sol en fait. Je disais que j'avais besoin d'un type sol absolument. Nanani, nanana. Est-ce que lui peut réapprendre séisme par exemple? C'est quoi cette zone là? C'est ça le village caché de Konoha? Il peut prendre Counter, ce qui peut être pas mal. Ah mais lui aussi est type sol d'ailleurs, j'ai double type sol en fait. Earthquake, let's go! Enfin un type sol qui apprend Earthquake sa grand-mère, c'est un truc de ouf ça. Non mais c'est mais... On dirait que c'est une dinguerie, c'est juste ton type, hein. C'est vraiment pas... C'est pas censé être ouf, hein. Ice Shard, ça peut être pas mal. En vrai, une attaque prioritaire. Toi, apprends séisme et je t'embrasse.
Je t'embrasse. Oula. Putain. On est d'accord, il est type sol lui hein. C'est genre juste un golemon quoi. Putain. De toute beauté. Bah je peux lui apprendre Bulldoze. Bulldoze qui a bien été up hein putain. C'est ok Bulldoze en vrai. Et en plus ça baisse la vitesse. Ok, mais il attaque sur le physique ou le spé ce gros con là. Sur le physique. J'ai pas d'attaque au physique en fait. Donc au pire nique sa mère, je lui apprends Scald de stabber hein. Il apprend pas Earth Power. Bah, de toute façon, il attaque sur le physique. Mais non, non, non. Mais il est vraiment physique. Scald Flail. Flemme de Flail, mais je vois pas ce que... Ah, Drain Punch. Peut-être que Drain Punch peut être pas mal, non. On crache pas sur Drain Punch. Rain Dance, je vois pas... 6 mois de plaisir. Je vois pas quoi Rain Dance pourrait servir. Sachant qu'il y a littéralement un Pokémon qui ramène la pluie. Je pense que je vais mettre Ice Punch et Drain Punch et voilà. Je pense. Merci les gars, merci pour tous les subs, merci le Zeppo, merci Pyroman et merci le Rue le Vrai. Let's go, j'ose play Army. Merci les gars. Je suis pas mal focus mais. Merci beaucoup. Je pense que là avec des Pokémon de type sol, ce sera plus simple. La Team Plasma. Parce qu'ils ont beaucoup beaucoup d'insectes. D'insectes, de poison. Mais juste, je sais pas si je suis rapide en fait. Faut prendre le temps de refaire l'essai de toute la box. Ouais. Kek Léon qui a encore envie, c'est une dinguerie. Hein. Donfond, c'est quoi son set? Donfond, il est un peu gaze. Hein. Franchement, j'ai pas trouvé d'attaque. J'ai mis Earthquake, Ice Shard. Et après les autres, j'ai pas fait. Enfin, il a rien en fait. Il apprend pas de CT. Earthquake, c'est bien parce que c'est stabé. Ice Shard, parce que bon, il a une vitesse de Golemon. Donc au pire, il peut taper. Mais. Counter, je trouve ça tellement risqué en Nuzlocke. En pas d'attaque roche. Bah, je pourrais lui apprendre la CT là. La CT. Si, il y a l'escalade. Non, c'est quoi? Force. Je pourrais lui apprendre force. Mais il y a que force quoi. Gros feu, ça a pas beaucoup de précision, je crois. 95. Bon, en vrai, ça va, ils l'ont augmenté. Non, c'est 85, non? Ça donne ça, Donphan. Ah, il a Sturdy! J'avais pas vu qu'il avait Sturdy. Merci, Gnochance, pardon, merci. Mais lui, il est reste. Ok. Ça joue reste? Je n'ai aucune idée d'où ils sont parce que c'est un putain de truc de con. Où sont les leftovers, frère? Je ne sais pas où sont les leftovers. Ils existent? Ah là. Ok. C'est tanky. Lui, on peut mettre leftovers. Lui c'est pas mal. C'est dommage qu'il ait fly mais je sais pas à qui mettre fly à part lui. Les gars, est-ce que ça, j'avais une question, est-ce que Victory Star ça pallie le talent de con qui baisse la précision mais qui augmente mon attaque? C'est qui a ce talent déjà? Qui a le talent, les gars? Il est mort? Il y en avait un qui avait ce talent là. C'était Darumacho.
Du coup, tu l'as plus. Ah, du coup, je l'ai plus. Pourquoi il y a marqué Sheer Force? Ah, c'est Daromaru? Mais non, je te jure qu'il y avait un Pokémon qui l'avait, mec. Je crois qu'il y a un Pokémon qui est mort. Non? Je suis un ouf? La pré-évo... Ah, c'est la pré-VO de Trioxydre. Ok, quoi, il a évolué, Trioxydre, il a plu. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le petit. C'est le petit qui avait ça et puis il a eu l'évitation là. Ok. C'était Diama. Ok. Bon, bah ça rassure. Refais le 7-10 pour 1. Bah, de toute façon, je risque pas de jouer maintenant, mais. C'est vrai qu'il est horrible son set. Bah, Coatox aussi, on l'a pas fait son set. Ah, mais il apprend rien. Octazooka. Oh, l'attaque de Golemon. Non, mais lui, c'est que des CT, je crois. Hein. Attends, d'abord, je vais le up. C'est quoi ça? Poison Jab. Vas-y. Je crois que de toute façon, il se joue. Attends. Ouais, il joue physique et spécial, mais plus physique, quoi. Bah, est-ce que je pourrais pas jouer limite spécial avec Nasty ou pas? Vu que c'est pas pratiquement kiff bourrico, mais que je peux que me up sur le spécial. Autant jouer spécial Toxicroak. Ou les deux en fait. Mais c'est vrai que si je peux jouer spécial, autant. Tu joues pas à Nasty? Je joue pas à Nasty? J'ai plus de bonbons pratiquement, faudrait que je me redonne. Il peut prendre pas mal de points. Il peut prendre. Drain Punch tabé, c'est une dinguerie. Hein. Tu joues Ice Punch. À place de quoi? Je joue pas Cross Chop. Hein. Ok. Ok, j'arrive. J'ai la rêve de son set et Drain Punch. Ok, j'arrive. Sand Slash, comment est-ce que le mec peut être encore en vie? C'est une dinguerie. Physiquement, genre, c'est ouf que lui soit en vie. Depuis si longtemps. Or qu'il est, mais genre, gaze, quoi. C'est ouf. Il y a des Pokémon comme ça qui restent en vie ultra longtemps, c'est pas pourquoi. Après, je les utilise moins, donc ils ont moins de chances de mourir, mais. Mantine, faudrait que je fasse son set à lui et à Drifloom d'ailleurs. Le 7 Diporra, il pourra apprendre rien. Faudrait que je lui apprenne par CT quoi. C'est vrai que j'ai récupéré Ice Beam. Ça c'est une petite dinguerie. À la place de Dragon Breath. Et on va lui rajouter Scald à la place d'Hydro Pump. Scald c'est vers la fin. À la place d'Hydro Pump. Dragon Dance, Ozef. Ouais. Mais du coup, je sais pas quoi mettre à la place de Dragon Dance. Nasty pourrait être bien, hein, mais y a pas. Tu vas la Strat Discharge? Nope. On a fait encore mieux. Encore mieux. Beaucoup mieux. Mirror Code peut être pas mal. Mais tellement risqué en Nuzlocke. Mais ça peut être pas mal. Ok, je mets les deux niveaux 63 et on voit ce qu'on fait. Bon. Level 51 à prendre Shadow Ball, c'est vaut mieux tard que jamais. Hein. Il a tellement d'HP en fait, Drifloom. Il n'y a pas beaucoup de SP attaque. Hein. Oh putain. Explosion. Ah ouais, mais ce Pokémon là, il gaze de ouf. Hein. Je vois pas ce que je peux faire avec. Avec tout le respect. Tu peux lui mettre Surf. Il a Flair Boost. Attends, quoi? Qui? Ah lui.
Ouais ouais, orbe flamme, ouais ouais. Ouais, on avait vu tout à l'heure. Je sais pas si vaut mieux mettre orbe flamme, tu penses, ou orbe toxique. Ouais, orbe flamme. Ouais, orbe flamme. Après là, on est en Nuzlocke et j'ai l'impression que personne nous heal. Donc moi, le truc que je ferais, ce serait avoir un combat important, et si je l'utilise, on y pense, et genre, je me fais empoisonner ou je me fais brûler par un random, je me mets full vie, j'ai un objet en plus, tu vois, bah... Comme ça, j'ai un objet et le problème de statue. C'est ça qui serait bien, en fait. C'est vrai que j'ai psycho. Attends, j'ai psycho ? Victime, il va prendre psycho en léger, non ? Comme sur Renegade. Bah comme sur Renegade, j'ai l'impression qu'il y a personne qui nous a heal en fait. Donc c'est encore mieux cette strat là. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que dans Renegade il est parce que... Parce qu'il a bien remarqué qu'il y a des gens qui étaient des petits filous quoi. Shadow Ball. Je peux lui apprendre quoi par Shadow Ball? Peut-être Ice Beam? Je pense pas. Shadow Ball. Peut-être Psycho? Il y a moins que je lui apprenne psycho, non? Ouais. Sur Blaze Black 2, tu te fais heal. Ouais. Mais ils ont vu la force du truc, quoi. Moi, ce qui m'avait choqué, enfin, ce qui m'avait le plus dérangé, la DSS qui te heal, c'était Aurore juste avant la ville de la vieille. Ça m'empêchait totalement ma strat de Guts avec... un objet supplémentaire en fait. En gros, ce que je faisais, c'était que j'avais Gus, j'étais brûlé et en même temps je mettais les restes. Comme ça, la brûlure me faisait pas de dégâts et je tapais ultra fort. Je crois qu'on faisait ça. Et donc là, si je suis brûlé, ça double mon attaque, on est d'accord. Donc là, mon attaque SP. Donc là, j'ai genre 200 d'attaque SP. C'est une dinguerie, hein. Enfin, c'est lui mon Pokémon qui tape le plus fort, quoi. Pokémon qui tape le plus loin, c'est Drifblim. Ou alors c'est x 1,5. Je sais pas. Flare Boost plus Choice Pack. Pas forcément Choice Pack. Il faudrait que je sois plus rapide, non? Jamais je résiste sinon. C'est absolument broken. Ouais, en fait j'ai peut-être un peu sous-côté lui. Est-ce que je peux brûler ou vu que j'ai gagné je brûle pas? Ok, vu que j'ai brûlé je tape pas. Est-ce que Baton Pass? Ah merde. Putain, je suis obligé de switch. Putain, je veux juste faire un tour. Oula. Oula. Tu vois, c'est absolument tout. Mais lui protect. Ouais, c'est vrai que je peux lui protect. Mais Choice, oui, Choice Peck, je sais pas si c'est pas mal. Parce que en fait, je taperai jamais à temps. Dans ma tête. Enfin, je tape après, quoi. C'est vrai que Drifloom peut être vraiment fort. Genre là, je le brûle en avance. Voilà, je suis brûlé, je quitte. Et là, je peux lui donner un autre objet. Qu'est-ce que je lui donne comme autre objet? Putain, il a Guts. Bah, je pense... Attends. Je vais regarder un truc. Parce que, en vrai, si je mets Choice Scarf... On s'en branle, vas-y, voilà. Là, il a 110 de base speed. 110 x 1,5. En vrai, il va outspeed pratiquement la majorité des Pokés, non? Oh non, quand je clique sur 1, ça reset. Je sais pas quand est-ce que je sais sauvegarder. Bah, je vais cut le live, hein, je veux dire. Je vous le dis, j'ai trop envie de me suicider, là. J'ai trop la flemme de tout retaper. Il avait 165. Tout ça en plus pour une division de merde. Hein. Mec, la dernière fois que j'ai sauvegardé, c'était Aspiral truc. Ah, c'était là! Bon, ça va. C'est acceptable. 165 de vitesse, du coup, niveau 63. Ça va. Ça va, ça va. En vrai, ça va. J'ai rien fait depuis, je crois. Faut juste refaire les 7. Ouais, voilà. Faut juste refaire les 7, ça va. Ça va, ça va. Si je devais refaire toute la tour, j'aurais peut-être...
En vrai, c'est pas mauvais. De qui? Drifloom, Drifloom, je pense que c'est un de mes meilleurs Poké en fait. Mais vraiment, s'il va assez vite. Je regarde un truc. Je vais exporter ma save et je vais juste regarder les EV un peu de tout le monde là. Mais là, je pense que j'ai. T'as le seum que tu les catches. C'est vrai que j'avais le seum de l'avoir catch, mais je voulais avoir qui à la place? Je voulais avoir Magirev. En même temps, c'est vrai que j'ai eu un talent de ouf. Parce que boom final, c'est vraiment de la merde, mais. C'est vrai que j'ai eu le seum quand j'avais catch. Mais je savais pas, je connaissais même pas, je savais même pas qu'il y avait un Guts spécial. Bah, j'ai des IV un peu de merde. Hein. En vrai, j'ai des IV un peu de merde, j'ai juste une grosse défense P, j'ai 28 en défense P plus le truc. Et moi, spé attaque, on s'en branle vu que bah, j'ai le talent. Mais sinon, à part ça, pff, j'ai 5 en HP, mais bon. En vrai, Drifloom peut être vraiment pas mal, hein. Je jure qu'il peut être pas mal du tout. C'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mal. Non, vraiment, c'est pas mal. Je serais content de lui, là. Je regarde un peu les autres. Mantine, franchement, il est jouable. Il est jouable, il est jouable. Trioxydre, mec, il est tellement jouable. Trioxydre, c'est une dinguerie, hein. Trioxydre, mec, c'est 30. C'est n'importe quoi. Honnêtement, Trioxydre, c'est n'importe quoi. Un peu le simple qu'il y ait 0 ici, mais on s'en fiche tellement. Vu qu'il a d'ab de base, il y a 125, et en plus, il a le plus 10. Bon, vraiment, c'est... Trioxydre, c'est n'importe quoi. Mon Dratak, c'est n'importe quoi. Et mon Dracolo, c'est du n'importe quoi. Les trois dragons que j'ai, c'est aberrant. Wailord, il est bien aussi. Kingdra est très très bien aussi. Ok, là, il a pas beaucoup de speed, mais ça fait x2 sous la pluie que mais lui. Franchement, j'ai de bons Poké. Hein. Là, si je déconne pas, ça se fait de ouf. Je pense, les gars, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que là, je commence à trop fatiguer, je vais trop mourir. Mais je pense que demain, je vais live un big 5 heures, je pense, d'affilée. Et on va voir comment ça se passe. Mais honnêtement, je suis... Bon, on a perdu beaucoup de Pokémon sur ce live et tout. Mais c'est parce que j'ai été con, vraiment. Mais je pense que demain sera un autre jour et tout va bien se passer. Vraiment. Là, pour l'instant, je suis en mode optimisme. Donc, followez la chaîne, mettez la cloche. Et demain, vers 13-14h, je relance. Et... Attends, demain, on est samedi? Bon. Demain, on est samedi. Donc, je sais pas, mais... On verra. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire les combats de demain. Parce que ça va être que des combats de fous. J'ai regardé un peu. Putain, mes yeux piquent tellement la nuit maintenant sur mes lunettes. C'est dingue. Le truc de DRXX. Ouais, il est là. Bah, le dernier badge. Le dernier badge, on est d'accord. C'est mort. Enfin, on le détruit facilement, je crois. Bianca, pareil. Cheren, c'est chaud. Cheren, le dernier Cheren est chaud parce que je crois que c'est rotate. Ah non, c'est single battle. Bon, ça se fait. Je sais que le problème du dernier badge, c'est que ça rotate, hein. C'est ça le problème. C'est les dresseurs random. Oui, je sais. Je sais les dresseurs random. T'inquiète, je suis au courant. I know. Je suis malheureusement au courant. Et ça, c'est quoi juste, tu peux me dire ou pas, Amikam? Est-ce que la ligue, c'est 4 équipes aléatoires et voilà? Ou est-ce que c'est des trucs fixes? La ligue, il n'y a qu'une seule équipe. Bon, ça va de ouf, la ligue. Mais c'est combat double. Oui, mais ça va de ouf. Je jure que ça va de ouf. Combat Renegade, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, mec. T'as le droit de changer les équipes entre chaque membre? Nope. Mec, c'est beaucoup plus facile, hein. Je le dis, hein. Renegade, c'est... Tu dois faire une équipe type pour 30 Pokémon différents. C'est beaucoup plus dur. Non, je crois pas.
Après, c'est vrai que les deux. Le combat duo cause beaucoup de problèmes. Parce que l'IA ne marche pas pareil. Ouais, ok, d'accord. L'IA peut gonner. Mais du coup, par contre, si je passe la ligue. T'as pas encore fini. Ah, mais les gars, le challenge là, il va prendre au moins 100 heures, je pense. Le troll, je capte pas. Une fois qu'on a battu la ligue, eux là, ça passe tranquille, on est d'accord. Après la ligue, t'as le PC. Bah, après, voilà. À taper le plus dur d'un coup, je peux le whip direct. À taper le plus dur d'un coup, ça veut dire quoi? Non, je pense que l'ordre, ça va être. L'ordre qu'on va faire, ça va être tout simplement. Caitlyn en première, je pense. T'as choix de l'ordre? Oui, bah évidemment. Caitlyn en première, comme tout le monde. Ensuite lui. Ensuite lui. Et enfin lui. Simplement quoi. Je pensais qu'il faut faire quoi. Fais combat en premier. Mais aucun humain doté d'un système scolaire français, c'est-à-dire depuis 18 années, ne va faire le combat en premier. Moi je vous le dis. Hein. Pourquoi faire? Vraiment. Je suis allé à l'école pendant 18 ans, j'ai appris à lire, écrire, comprendre la langue. Genre je vais faire ça là, au bout de 20 heures. Bah non, je vais gratter le maximum d'XP déjà sur Caitlyn la conne. Caitlyn easy je pense. Ça trade genre. Je pense après Ténèbres ça devient très très dur. Vraiment. Ça c'est très dur. Le Intimidate il est violent de ouf. Le Intimidate Focus H il est violent de ouf. Ça c'est violent de ouf. Ténèbres facile avec Quatox. Ah ouais. Et pourtant j'ai pas le bon talent non. Ok. Parce que ça moi ça me semble complexe de ouf. Ça Scope Lens Super Luck. Ça me semble complexe. Tu joues super agressif ça devrait être fine. Ok. Marsha je vois tellement pas ce que j'ai. Bah, on peut prendre Victini hein. Peut-être que. Mais je pense même pas qu'il y aura Victini à la ligue. Je sais pas. On verra. Cook une équipe pour 4 combats d'affilée duo. C'est une dinguerie. Ça me fume. Bref, bisous. À demain.